Si je pédale pour 1060, je peux faire tourner le jeu. Je pense, alors t'auras pas forcément le DLSS, t'auras le FSR. Tu peux faire tourner le jeu pour une 1060. Je vais vous montrer les réglages que j'ai mis sur un assez gros GPU. Hein. Ma config, c'est une... Le CPU, c'est un 3950X. Mon GPU, c'est une 3080 Ti. Donc c'est quand même un assez gros GPU. Je vais vous montrer les réglages que j'ai mis pour que ça tourne bien. Et je vais vous montrer les réglages que vous pouvez mettre sur votre machine si elle est moins puissante pour avoir un truc correct. Mais en vrai, il demande une machine costaud pour passer en high. Mais sinon, en vrai, il passe, je pense, assez bien sur des machines plus modestes. Laisse-moi aller dans les réglages. Tac. Du coup, perso, moi, je l'ai foutu en high parce que au début, il s'est mis en épique. Et en épique, j'avais 40 FPS. C'est mort. C'est pas un peu fort, là ? Non, ça m'a l'air bien. Non, en fait, ça m'a l'air bien. J'avais peur que le loup crie plus fort que je ne parle, mais en fait, ça va. Donc, j'ai tout foutu en high. Ah, le 120, je crois que j'ai mis un frame cap à 120 FPS. Mais de toute façon, on n'ira probablement jamais au-dessus. Hein. Je vous rassure. Donc, tout est en LV. Le flou cinétique, il est activé, là. J'ai pas essayé de le désactiver. Il m'a pas gêné, moi, quand j'ai joué. On va le laisser pour l'instant. On verra si en le désactivant, on a une image un peu plus propre ou plus nette. Mais DLA, c'est tendu. Alors, justement, on me demandait pourquoi DLA, DLSS, machin. En fait, quand vous activez le DLSS dans le jeu et que vous mettez pas d'échelle de résolution, là, je peux foutre performance, équilibrée, machin. Et vous voyez qu'en bas, ça gère l'échelle de résolution tout seul. Donc là, j'ai 33% de mon échelle de résolution par défaut. Sachant que je fais tourner le jeu en 1440p sur mon écran. Et si vous foutez pas d'échelle de résolution, vous êtes en DLA. DLA, ça veut dire que vous avez des IA qui reconstruisent l'image, mais pas l'upscaling qui s'active normalement. J'ai activé aussi le frame generation, ce qui fait... On va voir ce que ça donne sans, mais vous allez voir que sans, c'est un peu plus compliqué. Même si ça passe hein, sur ma machine. Tout le reste est en élevé, pas besoin de... J'ai foutu le pré-réglage élevé, hein, donc là-dessus, pas de soucis. Je vais vous mettre la séquence d'intro pour que vous voyez ce que ça donne. Vous savez quoi, je vais vous la foutre pour que vous voyez un peu. Je vais vous la foutre sans le frame gen. Pour que vous voyez un peu sans le frame gen. À quoi ça ressemble? Il faut que je valide. Attendez, il faut aussi que je change la KTEG. La KTEG. Stalker. Que je ne trouve pas. Si, c'est bon. C'est celui-là. Ah, non, c'est celui-là. Putain. Ok, on est bon. DLSS plus framegen de FSR. Ouais, complètement. DLSS plus framegen, en vrai, ça fonctionne super bien. Là, je vais vous montrer avec juste le DLA, donc pas d'upscaling. Et sans framegen. Et vous allez voir qu'on est à peu près 50-60 FPS sur ma config. Attendez une seconde, il faut que je change le clavier du coup. Tac, le bruit du USB, c'était moi. Applique. Tac, sort de là. On va faire une nouvelle game. On va se mettre là. Difficulté Stalker, ça me paraît bien. Voilà, ok. Salut Breadstar. Ah putain, le 1% low, t'as raison. Est-ce que je peux le faire pendant que ça charge? On avait parlé du 1% low. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Il veut pas? Je sais pas s'il va s'afficher. On dirait qu'il s'affiche pas. Sur quel critère tu choisis la DLA, valeur ultra, etc. Tu testes. Tu testes et tu regardes les perfs. Si t'es con, si t'es... C'est fort. Si t'es satisfait ou pas, quoi. The zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety.
Ah, Nvidia App. Il a un overlay, Nvidia App, ou pas? How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? C'est quoi le logiciel qui me permet d'afficher les paramètres? Ça s'appelle RTSS et c'est intégré dans MSI Afterburner. The injured were evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. City officials urge people to stay calm, assuring them the situation is... Non, c'est pour tous les GPU, hein. Ça fonctionne partout sur toutes les machines. C'est juste MSI qui diffuse le logiciel, quoi. Ouais, alors par habitude, j'utilise RTSS, mais oui, visiblement, Nvidia a un truc qui fait la même chose. On va l'essayer. On va voir. You alive back there? I'm okay. Zone is really raging today. See that? It was a hell of a blast. Can't remember one. So fierce. Oh yeah, close. Kind of. The central checkpoint could be on alert after the emission, but there's another way in. Crack in the wall to the left of the fault. Bugger off! Hope you didn't lose your secret artifact along the way. Souvenir ému de cette scène que j'ai vue à 5 FPS. Ouais. Là, t'as vu, on est à 45, hein. Et j'ai pas tout en élevé. Bah si, j'ai tout en élevé, j'ai pas tout en épique. Show me what you found. On va tester aussi. Je sais pas pourquoi RTSS m'affiche pas le 1% low. On va essayer de voir si on peut le trouver avec Nvidia après l'intro. They always burn out and fall apart real fast. But this one is not from the zone. Oh, I bet. Le CPU est tranquille. Alors ouais, je pense pas que j'ai un bottleneck CPU pour le coup, mais attention, c'est trompeur parce que mon CPU c'est un 16 cœurs. Et donc quand il affiche 25%, ça veut surtout dire que 25% des cœurs travaillent en vrai. Il faudrait avoir le détail des cœurs, mais pour savoir. Parce que si tu regardes la fréquence, tu vois que t'as au moins un cœur qui a sa fréquence max, là. This stone owes me a new home. We gotta move. Ça reste moins impressionnant qu'un Metroid Valley en pixel art. D'une certaine manière, c'est vrai. Chez moi, j'ai surtout un cœur qui travaille. On va tester avec le DLSS, ouais, je vais vous montrer un peu à quoi, ce que ça donne. En vrai, sur cette config avec juste DLSS qualité, on a déjà des perfs très corrects. Hein. Ah, le jeu est très beau. Ouais. Ok, donc là, il faut que je fasse gaffe. Clavier anglais. Copy that. Dispatching a response team.
Et là, dehors, voilà, on est entre 50 et 60 FPS. Ce qui, en vrai, est plutôt jouable. Est plutôt jouable. Et si je mets... Bon, on verra plus loin, mais je crois que j'ai le DLA qui est activé. Si j'active l'échelle de résolution, on va essayer de faire en sorte aussi que le jeu ne crache pas. Attends, qu'est-ce qu'il a désactivé là? Ah non, le frame gen, il est désactivé, c'est fait exprès. Ok. Et là, avec le DLSS, j'arrive juste au-dessus de 60 FPS, dans la même scène, où j'étais à 50 avant, quoi. Sachant que sur une 3080 Ti, j'ai tous les réglages en élevé. Hein. Tac. Vous voulez le jeu en ukrainien? Je peux le faire. Vote à main levée. Qui veut le jeu en ukrainien? C'est vrai que je l'ai mis par défaut en anglais. Par défaut, il est en anglais. Ukrainien? Moi, ça me va. Hein. Ukrainien. Attendez. Je sais pas si je peux le faire en plein jeu, par contre. Ok. Oh, on dirait qu'on peut le faire en plein jeu. Incroyable. Ok. Bah écoutez, on va voir. Ah, ma lampe. J'ai pas allumé ma lampe. Voilà. Là, ça va être bien, par exemple. Il y a quelqu'un qui demandait... Je vais pouvoir vous montrer, je pense... Il y a quelqu'un qui demandait c'est quoi la différence entre DLSS, à quoi sert le DLA surtout. Et je vais vous montrer. Il y a un endroit ici qui est très pratique pour ça. Il n'y a rien à ramasser ici. Ok. Il y a genre un truc pour vous montrer à quoi sert surtout le DLA. Vous voyez cette grille là. Il y a un effet. Si je mets la définition native, c'est-à-dire je désactive tous les trucs d'upscaling. Attendez une seconde. Déjà vous allez voir les perfs que ça va donner. Je suis à combien là? 72? Ouais, 65 même. Mais regardez surtout la grille qui est en face de moi. Attendez. Tac, 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 tac. C'est où déjà? Ok, rien du tout, pas de frame gen, que dalle. Là, on va tomber bas. Pas tant que ça, pas tant que ça. Mais du coup, je sais pas si vous voyez sur stream la grille. Plus je m'en éloigne et plus vous voyez qu'elle est blindée d'artefacts, de moirages, etc. Parce que typiquement, ce genre de tout petit pattern à une certaine distance fait que bah, les pixels se mélangent et on voit cet effet de... On appelle ça du moirage, en gros. Et si j'active juste le DLA, c'est-à-dire... Attendez. Je mets pas d'upscaling, je mets rien, j'active juste le DLA. Il est où? Ici. Voilà. Là, on l'a plus. Et rien que pour ça, j'utilise quoi comme soft pour afficher les FPS? RTSS qui est intégré dans MSI Afterburner. Attendez, on m'avait dit d'essayer avec. On m'a dit Alt-E. Non, là j'ai bu un soda. Attendez. C'est quoi le raccourci pour ouvrir Nvidia App? Oh. Ça c'est l'overlay d'Nvidia App qu'on a en haut... Attendez. Je vais pas réussir à avoir ici. Est-ce que je peux régler là-dedans? Est-ce que je peux régler la quantité d'infos qu'il affiche dans l'overlay ou pas?
Bon, les stats, c'est Alter. Oui, avec Alter, j'ai réussi à afficher les infos en haut à droite. Par contre, je veux voir un peu... Non, ça, c'est pour overclocker, je m'en fous. Enfin, j'ai pas envie de faire ça maintenant. Où est-ce que je peux lui indiquer ce que je veux comme info affichée sur l'overlay, par contre? Il y a un menu dans l'overlay. Ok, donc c'est Alt-Z pour ouvrir l'overlay. Attends. Ok. Là, il me dit inférieur droit alors qu'il me les affiche là-haut. Là, pour le coup, si superposition des statistiques, supérieur droit. Ok. Par contre, il me demande pas le détail des stats que je veux afficher. C'est un peu dommage. Reviens au début, c'était en bas dans statistiques. Ah putain, statistique tout en bas, il est séparé du reste, je l'avais pas vu. Et ouais, mais il affiche pas le 1% low là, regardez. Avancer. Ah si, il affiche le 1% low. Ok, si vous arrivez à déchiffrer ce qui a marqué en haut à droite, du coup vous avez l'info pour le 1% low. Ok, on va le laisser comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça de manière un peu plus lisible? Peut-être. Ouais, juste les FPS, ok. On va mettre ça, plus il y a d'infos, mieux c'est. Ceux qui comprennent, comprennent, et ceux qui comprennent pas, de toute façon, regarderont pas. Donc, je vais laisser comme ça. Vous avez le 1% low, il est indiqué ici. Hein. juste à côté des frames. Normalement, si je reviens à mon jeu, là... Ok, ça bouge pas. Voilà. On a beaucoup trop d'infos sur l'écran par rapport à... Très bien. Ok, et là donc, si j'active le frame gen, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que vous allez me dire, moi je vois aucune différence. Je vois aucune différence de qualité d'image en vrai. Et même en termes de latence, je vois pas de. Mais j'ai activé Reflex aussi. Et franchement, on gagne. On passe à 100 FPS, on double quasiment le nombre d'images par seconde en. Gratuitement, moi je trouve. J'ai vraiment pas de latence notable. Ça, c'est difficile à montrer en stream. Mais j'ai vraiment pas de latence notable sur ça, quoi. On n'a jamais trop d'infos. Non, c'est ça. Plus il y en a, mieux c'est. Et franchement, j'ai un 1% low qui est correct. Hein. Il a pas l'air de trop varier. Ah, si, quand même. Le truc, c'est que j'ai pas de graphique pour tenir compte de comment il évolue, donc... C'est écrit la latence. Bah, en vrai, ouais, c'est ça. Bah, oui, la latence, elle est à... Ouais, c'est ça, 10-12 ms. Ce qui, à 100 fps, enfin, honnêtement, ça se sent pas, quoi. Ça se sent vraiment pas. L'Ukraine est plus détaillée que Toulouse, ouais. 1% low, c'est stabilité. En fait, le 1% low, c'est ce que tu vérifies quand tu as, par exemple, des... Lui, il va se faire tuer. Non ? Il est peut-être déjà mort. Le 1% low, c'est ce que tu vérifies quand t'as des micro-freezes, des stutters sur ton jeu, parce que ça veut dire que ton 1% low, il est en train de se casser la gueule, ouais. C'est la performance minimale que donne ton GPU, en gros. Ah oui, alors on ramasse des PDA dans le jeu, j'ai
pas trouvé. Parce que, ah si, on peut les lire. On peut les lire. Je crois que j'ai mon propre PDA dans lesquels je peux lire. Ouais, si. Avec ça. Et je peux lire le lore du jeu. Mais du coup, le PDA occupe en permanence un espace dans mon inventaire, par contre. C'est un peu relou, ça. On peut regarder avant d'ouvrir les portes, ouais. Ramasse, 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 ramasse. Je veux pas mourir là. Je vais mourir là. Cours, 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 cours. Ok. J'ai ramassé une calache. Yes. Ah oui. Sensibilité de la souris est un peu basse aussi par défaut, je trouve. Le PDA, j'ai plus entendu ce mot depuis 20 ans. Plus ton 1% low est bas, plus ça va saccader. Personnellement, c'est peut-être grâce au framegen. On va peut-être désactiver le framegen pour voir si on en a. J'ai eu zéro stutter quand j'ai testé hier soir. Mais c'est peut-être, en fait, vous avez peut-être raison, c'est peut-être à cause du framegen. Je vais le désactiver et je vais voir si j'ai des stutters sans le framegen. On va voir. Normalement, je suis à 60. Ouais, ça va, c'est jouable. Je vais me contenter de ça. Et on va voir si ça stutter. J'ai un 1% low qui tourne autour de 30. Mais en vrai, pour l'instant, ça va. Ah oui, j'ai faim. Stalker sur, on tombe sur PPDA. Alors attendez, normalement il y a combat ici, je crois. J'avoue, l'immersion en ukrainien, c'est vachement mieux. Il va pas m'enlever le prompt hein, pour me dire. J'ai deux calaches. Écoutez, je peux faire du akimbo à la calache. Ok, je suis blessé. Putain, je saigne. No bueno, ça. J'ai un raccourci pour utiliser mes bandages, je crois. Ça, c'est un bandage. Ok. Et il veut manger. J'ai une boîte de thon, je crois. Tac. Ok. Salut, Scal. Du thon au mercure. On n'est pas à ça près, va. On n'est pas à ça près. Regarde. On va se bouffer des radiations. Ouais, c'est par là qu'on va. On va se bouffer des bonnes radiations, regarde. Hop, on voit flou et tout, c'est parfait. La vraie expérience ukrainienne. Normalement, j'ai un truc hein, pour les radiations. Comment on utilise ça déjà? Merde, c'est Tab pour afficher le quick. Non? Putain, mon inventaire. J'ai pas mis les trucs anti-radiation dans le. Merde, je sais pas ce que ça a fait ça. Médicaments anti-radiation. Allez, utilise ça. Voilà. Ah oui, alors apparemment, la vodka soigne l'exposition aux radiations, ce qui est le truc le plus ukrainien que j'ai vu dans ce jeu pour l'instant. Voilà. À l'exception de la centrale de Tchernobyl, c'est probablement le truc le plus ukrainien
que j'ai vu dans ce jeu. Si jamais t'es irradié, tu bois de la vodka et ça soigne les radiations. Voilà. La vodka soigne tout. Ouais, ouais, ouais. Écoutez, bon, j'ai pas un framerate incroyable. Mais mon 1% low, il est plutôt stable. Ici, et j'ai pour l'instant 0 stutter. On va pousser encore un peu avec ça, mais j'ai pas à me plaindre, moi, de... Bon, mis à part que je suis à 50 FPS, quoi. Sinon, j'ai pas à me plaindre des perfs. Hein. Oh, putain, je l'avais pas vu, lui. Encore une calache. Incroyable. Attends, mais les calaches sont pas toutes les mêmes. Elles ont des stats différentes, on dirait. C'est pas... Je vais prendre ces munitions, déjà, ça, c'est sûr. Vas-y, on prend. Pff, au pire. Ça doit probablement pouvoir se démonter pour les revendre au marché noir. Docteur Raoult confirme ceci. Renomme-la en Maria. Mais oui, la Maria Kalash, exactement. Ah oui, le truc, il y a une trousse de soins ici, mais tu peux pas l'ouvrir ou interagir avec. La frustration. La calage fonctionne mal, tu lui files un peu de vodka. C'est ça, tu verses un peu de vodka dessus pour dégripper les mécanismes, et ça fonctionne, hein. Ouais. Faut taper dessus. Oh, attendez. Non. Eh ben, c'est trop tard. J'ai pas pensé à taper dessus, moi. Attendez, ça m'a mis le... C'est intéressant, ça. Hein. Est-ce que ça m'a mis le truc anti-radiation automatiquement dans le spot? Non, hein. C'est fou. Ok. Et maintenant? Il apparaît pas. Comment fonctionne ce menu radial? Ah si, E là, j'avais pas vu. E en bas, d'accord. Si, si, c'est bon. Avec E, je peux soigner mes problèmes de radiation. Ou boire de la vodka. Des soins, des munitions, parfait. Voilà ce que j'étais venu chercher. Non, faut que je l'équipe. Je collectionne les calaches. Ça s'équipe, ça. Tac. Dead Fraud, merci pour ton 15e mois d'abo. Merci pour le soutien. C'est bon, c'est fait. Là, ils vont s'engueuler normalement. Non, il est mort. Негода мертвий, як і решта вчених. Мертвий? Господи! Забирайся звідти, негайно! Не істери. Кажи, де зберігаються дані. Знайди його ноут. Координати, вони мають бути там. А, oui, il fallait que je remette le courant ici. On est quand même à 40 FPS là. Dans un environnement fermé. Allez, Windows 95. Hey! Nahoda! Shut up!
дістався тебе Германів клієнт. Скажи йому, що новий викид – новесенькі точки. А новесенькі точки – рахуночок новенький. Негода мертвий. Я Германів клієнт. Ну, ніхерасенькі у вас там блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекай, но, клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити? Ну, нагадай. Йобанама. Я сьогодні зможу пожерти чи ні? Коротше, йдеш за координатами. Пхаєш свій сканер в землю, потім відвалюєш, поки він не відпрацює. Забираєш. Второпав? Ну, а як не второпав, то це вже ваші проблеми. Я вам тут не довідкове бюро. Бувай, клієнт. Координати отримав? Сподіваюся так. Бо далі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Знайди детектор для початку. Це ж бункер вчених. У них точно має бути хоча б один. Детектор вже є. Тобі потрібно дістати артефакт, який захистить від радіації. Інакше доєднайся до находи. І як мені це зробити? Знайди аномалію. Після викиду має бути легко. А далі орієнтуйся за сигналом детектора. Якщо вже сталкери розібралися, то йди впорайся. Після артефакт на пояс і йдеш ставити сканер. Тільки не помри в аномалії. Попогодься, буде вкрай недолуго. Ok, je m'étais arrêté là la dernière fois, enfin hier soir, quand j'ai fait mes tests. Est-ce qu'on a un meilleur framerate dehors? On a un peu meilleur framerate dehors, on passe à 55. Je vais remettre le framegen quand même, juste parce que... Ah oui, c'est vrai. Je vais remettre le framegen juste parce que j'ai envie de dépasser les 50 FPS. Et en vrai, moi je trouve que... Bah de toute façon, on va le voir, hein. Moi, je trouve que ça rajoute, sur ma config en tout cas, zéro latence. Hop. Et on monte tellement plus haut. Yes, c'est bien, ça a pas l'air dangereux, ça. Faut que je plante mon truc là-dedans. Vos artefacts fonctionnent, vous devez vous en équiper en les plaçant dans un emplacement d'équipement spécifique. Wow, d'où tu sors toi? Ok, attends, c'est pas ce qu'on avait dit. Soigner peut-être, hein. Mais je suis mort de quoi? Mais j'ai pas eu le temps de me soigner. Ok. C'était une grosse taupe, ouais. Tout à fait. Pendant que je m'amusais à réactiver le framegen, là, je chantais la fleur au fusil. Ça m'apprendra, ouais, c'est clair. Non, mais j'y suis allé, il m'a suivi, je pense qu'il m'a suivi, ouais. Il était fufu. Ouais, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Ok. On m'avait prévenu hein, qu'il était rude le début. Ok, on va aller ramasser l'artefact là-bas. Là. Prends ça. Ensuite, préparez-vous pour la bagarre. Le problème, c'est qu'il est invisible ce con là. Je sais.
J'ai plus de balles. Pause, pousse. Ok, ça va être difficile ça quand même. Ouais, je vais fuir. Je crois que je crois qu'on peut pas se battre. Je suis censé faire des trucs avec poser ma sonde et machin là. Ça va être compliqué quand même. On va fuir. Ok, fou. Wow! Quoi déjà? Ah putain, il m'a mis bien, hein. Ah! Mais barre-toi! Ma lampe. Je crois qu'on est tranquille, on est bon. Je crois qu'on est bon. Ok. Bien. Et maintenant les radiations. Ah! C'est une anomalie, ça? Comment on remet le détecteur, là? Non. C'est quoi, déjà, la touche pour le détecteur? Il ne dit rien, le détecteur. Hop, c'est comme ça qu'on fait les fusées chez Elon Musk. Не дочекайся. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. Ah, ça dit fail. Бляха. Хрен там. О, мерда. Та тихо, не панікуй. Час ще є. Іду до наступної точки. Я для мене. О, putain, c'est pour moi. OK. Oh. T'es à couvert là, qu'est-ce qui m'a tué? Ah, j'étais peut-être irradié, je me suis pas soigné pour ça. Faut que je boive de la vodka. Le saignement, ouais, soit ça, soit les radiations, soit ouais, l'ambiance générale. Je vais me soigner là, du coup. Je saigne pas là, hein. Non, je saigne pas là. Tiens, ne panique pas. Le temps est. Иду до наступної точки. Окей, і мов вію, а? Я не нафер. Заникаюсь тут! Уй, ой, сава. Атон, кі? У. О, лі батар. Окей, це па une bonne couverture, ce morceau de béton, là. J'en ai claqué deux. Lui, il a lancé une grenade, c'est ça? Oh putain, mais là où veut de la grenade? Ah ouais, putain, c'est dur. On m'avait prévenu, mais putain. J'ai pas équipé l'anomalie. Non, c'est vrai, mais c'est aussi parce que je me suis immédiatement fait accueillir par le groupe de soutien là en face. Attendez. Les grenades ont une AOE en vrai. C'est fou. Attendez,
Comment je l'équipe l'anomalie? Équiper l'artefact. Attendez. Juste le foutre là, c'est bon. Scanner, il dit quoi exactement? Oui, non, d'accord, mais là, c'est là où j'ai ramassé mon truc. F5. De toute façon, ma sauvegarde, elle est ici, hein, donc... Ah, peut-être que F5, ça fait autre chose que sauvegarder. Ok, il n'y a plus de lumière là, il doit être mort. Bâtard. Oh là là, le recul du flingue! C'est bon. Headshot. Il est tombé. Il y avait quelqu'un à droite. Il y avait quelqu'un à droite, non? Non, ça a l'air bon. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Oh putain, je peux juste prendre les munitions, c'est pas mal, parce que j'ai pas besoin de 4 ou 5 Kalachnikov en vrai. Pistolet de skiff, et lui il a quoi, PTM? C'est le même flingue en fait. Hein. C'est le même flingue, sauf que le sien il est pété, je vais le laisser là. Je vais prendre ta vodka et ton petit bout de pain. Je veux. Est-ce qu'on peut pas prendre juste les munitions? Si, on peut prendre juste les munitions. Ah mais c'est nice ça! Je vais lui filer deux calages dont j'ai pas besoin du coup peut-être. La mienne elle est bien encore. Ouais, c'est ça. Je vais lui filer deux calaches dont j'ai pas besoin. Décharger. Tac. Décharger. Tac, on est bien. Tiens, regarde. Cadeau. Et cadeau. Je sais pas si... Oh, je vais en garder une quand même, on sait jamais. Celle qui est en meilleur état. Parce que peut-être que je pourrais les revendre. Ou... Pain, vodka, repas de roi. Franchement, ouais, pas de quoi se plaindre. Hein. Vraiment pas de quoi se plaindre. Parce que je viens de voir aussi qu'en bas, j'ai une limite de poids aussi. Vous la voyez peut-être pas entièrement parce que c'est derrière la caméra. Mais j'ai une limite de poids aussi et je suis quasiment à la moitié là. Je suis à 42 sur 80, je suis même à plus de la moitié. Donc j'ai peut-être pas trop faire le fou en fait. Je sais pas ce que ça change. Je sais pas si c'est comme dans Elder Scrolls où quand tu portes trop d'objets tu peux plus courir. Attendez une seconde, je veux fouiller tous les cadavres quand même. On n'a pas le temps de laisser des ressources dans la nature comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Fusil à canoncier, on prend, on sait jamais. Il y en avait un par là, non? Tu marches au ralenti. De l'eau, du thon en boîte, parfait. Et du musaraigne, je crois. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est pas un rat, c'est trop gros pour être un rat. C'est un surmulot. Un bobre. Encore le compteur Gégère qui s'excite. Putain, t'es mal à taille du crapaud. Putain, j'ai peur qu'il me bouffe, lui. Ok, il veut pas aller plus loin dans l'eau, visiblement. Il a peur. De toute façon, elle est irradiée de ouf, cette flotte. Ouais. C'est trop dangereux. Thank you.
Aïe! Ça va pas, non? Mais il est où? Eh, mais vous pourriez être visible quand même. C'est pas sympa. Aïe. Ok, ici je serais peut-être tranquille. Non, même pas. Oh yes! Aïe! Mais putain, c'est fou ça. Où tu veux que j'installe le scanner? Attends une seconde. Vas-y, passe. Ok. Arrête. Vous voyez un peu ce que je suis censé faire là. Prends tout. On triera après. Un peu de musique, hein, c'est le moment. Ok, où est-ce que je suis censé poser la balise? Bon, je sais pas. Il faut juste que je la pose ici pendant que les tonneaux se jettent sur moi. Non, je peux pas ouvrir ça. Aïe! Je suis pas certain de où je suis censé poser la balise en fait, hein. Est-ce qu'on peut avoir une maison et la décorer? Ben, le problème, c'est qu'après, il se passe ça. Aïe. Je vais péter tout ce que je peux. Comme ça, au moins, c'est autant de trucs qui pourront pas se jeter sur moi, mais... Je me fais bolosser par une caisse. Mais c'est totalement ça, en plus. Ouais, ce que je comprends pas, pour le coup, c'est que je vois pas trop... Putain... C'est peut-être sur le toit. Non, pas du tout. Oh putain, c'est là-bas. Je l'ai. Enfin, je crois. Qu'est-ce que c'est? Je me suis pété une jambe. Ça se déplace, je peux tirer dessus ou pas? Non, bien sûr que non. Ok, mais où est-ce que je pose ma balise, moi? J'ai le prompt nulle part pour la poser. Ah pardon, non, j'ai pas de... Il faudrait que j'en crée une, en vrai. Il faudrait que je crée une... Mais en gros, mon CPU, c'est un Ryzen 9 3950X et mon GPU, c'est une 3080 Ti.
Ok, je ne sais pas où, où poser cette... le récepteur me dit rien. Donc... je shooterai sur des tornades pour les arrêter. Bah écoute, s'il y a une chance, ouais, complètement. Non, mais là, je suis censé utiliser mon... poser mon scanner, mais j'avais aucun endroit où il me proposait de le faire, alors tant pis. Ah putain, ça va être là. À tous les coups, ça va être là. Ouais, j'ai tourné en rond dans la baraque pour absolument rien, en fait. J'adore perdre du temps. En vrai, ça tourne correctement. Ouais, là, on a 100 FPS, le secret, et je recommande d'essayer quand même sur votre config à vous si ça galère, le secret, c'est le frame generation, en fait. Sur ma machine qui est censée être puissante. Mais bon, elle a 3-4 ans maintenant, un peu plus, et donc elle commence à être limite. Le frame gen, ça me met 100 FPS en... Recule un peu, peut-être. Voilà. Sans le frame gen, je suis autour de 40, 50, 60, ça dépend. Ok, très bien. Ça a marché ou pas? Ça a pas marché. Fantastique. T'as tourné en rond pour le plaisir de perdre full medkit. Oui, voilà, j'en ai claqué 3 ou 4 en me faisant claquer la gueule par des caisses. Oh. Je vais mourir. Non, c'est bon. Comment j'éteins le feu? Ok, c'est bon. Si je pouvais ne pas faire de combustion spontanée en lootant les corps, ce serait cool. Non, d'accord, ok. Non, c'est pas possible. Non, mais dans ce cas-là... J'ai pas fini de brûler, là? Mais bon. Vous pensez qu'on peut aller looter le corps sans se cramer la gueule ou... Non, mais en fait, je vais pas perdre mon temps. Je vais y aller. Salut, Poitiers. Ok, retour à la calache. Très bien, la calache. À nouveau des radiations. Voilà, bon, on est bien. C'est parti du paysage, hein. Cet effet grain de pellicule. Ah. Герман, лишилась остання точка. Ти мене чув? Кидай той клятий сканер і повертайся. Мені немає куди повертатись. Відбій. De toute façon, là, tout de suite, je vais pas te mentir, les soldats, c'est pas mon plus gros problème. Hein. Je vois flou à cause des radiations, il y a des poussières qui flottent, pas hyper rassurantes. Ça m'a l'air assez inamical comme région. Écoute, j'ai pas encore croisé de gens qui se sont inquiétés de mon état de santé, ouais. C'est pas... C'est, pour l'instant, c'est pas terrible. Nous sommes visiblement dans un cimetière de fortune. Eh mais il y a un dirigeable là-bas. Ok, on va peut-être... Hop là, un petit peu de vodka. Ça soigne vraiment les radiations? Viteuf, hein. Je vois toujours flou, hein. Mais si, en vrai, ça a l'air d'accélérer un peu la réduction des radiations, ma foi. On peut rien looter sur lui, mis à part des cafards. Je reconnais la mairie de Saint-Étienne. Ah, je veux fouiller ce coffre, moi. Comment on passe? Il y a une fenêtre. Faisons le tour du bâtiment. Oh, vous êtes pas sympa. Si ça passe par ici. Ok. Balle de... Oh, bandage, c'est bien aussi. Très bien.
Vodka Cossack. Ah putain, mais j'ai peut-être bu de l'eau à la place de la vodka, non? Je me rends pas compte. Du pain. Ah oui, mon perso, il avait faim, non? J'ai pas fait gaffe. Peut-être manger un... Peut-être manger un morceau de pain, tant qu'à faire. Ah non, ça va. J'ai plus l'icône... J'ai pas l'icône de faim. Très bien. C'est les radiations, ça. Cyrillique. Oui, l'alphabet... leur alphabet, c'est du cyrillique. Pas du celtique. Ok. Bah, continuons. Hein. Ah, je suis à mon objectif, si j'en crois le radar. Ah bah oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ok, on va s'éloigner. Même avec le frame gen, je suis à 50 là. Salut Ronsard. Comment se passe cette découverte? Comme prévu, on n'arrête pas de crever, on est irradié, on a de la boue dans le slip, c'est le bordel, tout le monde veut nous tuer. Ah, et là, on est en plein dans une embuscade. C'est parfait. C'est pas moi qui ai fait ça. Oh putain, la manchette. Ah mais non, ne prenez pas ça, je me suis fait chier moi pour l'obtenir. Pas trop changé, Call of. J'avoue, le jeu est sorti quoi, 2 semaines après Black Ops 6 et on en a beaucoup plus parlé. Hein. Dis, elle est attachée à quelqu'un, cette jambe. Oh merde. Ben voilà, ça t'apprendra. Oh merde. Ти хто такий? Я твій ангел-охоронець. Невже? Лови болт. Болт? Нахрен мені болт? Озирнись навколо. Твою ж. Ага. Кидай болт в аномалію. І поки вона перезаряджається, біжи. Зрозумів? Давай, удачі! Ah bon, ça fonctionne comme ça? Les boulons peuvent vous aider à découvrir une anomalie, à en déterminer les limites et même à la neutraliser temporairement. Utilisez TAP pour ouvrir la roue d'équipement et sélectionner un boulon avec la souris. Ok, donc il faut que je lance un boulon là-dedans. Et pendant qu'elle est occupée à... Pendant qu'elle est occupée à manger le boulon, je cours.
ça va pas marcher. Hein. J'ai pas compris le principe. J'ai pas compris. J'ai peut-être pas assez distrait le l'anomalie. C'est comme le chien, hein. tu lui jettes un bâton. Ok. Essayons d'être stratégiques. En plus, il m'a pris toutes mes affaires, non? Je peux pas passer toujours là. Non, c'est bon, calme-toi. Oh! Sortir du champ anormal. Comment ça fonctionne? Il faut que je cours droit dans la direction où j'ai jeté le boulon? Ah ouais. Non, ça marche pas. Arrête! Oh putain, ça m'a mis à zéro de vital. Attends, je comprends pas. Ah, c'est bon, je suis pas passé. Ok. Niveau bug, on est sur du mineur ou du majeur. Écoutez, j'ai pas eu... pour l'instant, j'ai pas eu spécialement de bug. Hier soir, quand j'ai testé un peu les perfs du jeu, j'ai eu un crash to desktop. J'avais testé un peu le jeu hors stream. J'en ai pas eu encore pour l'instant. Alors qu'on a un peu trafiqué les... On a un peu trafiqué les réglages et ça s'est bien passé. Et bon, mis à part des perfs parfois un peu pénibles, on n'a pas de soucis pour l'instant. Et que le fait que je n'arrive pas à comprendre ce que le jeu attend de moi, là. Je jette un boulon. Attention. Ok. Là, ça passe. Ah bah, cette fois-ci, zéro problème. J'ai fait tout le tuto boulon. Bah, et moi, il m'a dit, jette un boulon. Ça avait pas l'air difficile, hein, mais apparemment, il est où? Ah mais il est là. Знав, що в тебе вийде. Ну, гаразд, не знав, але сподівався. Як тебе сюди занесло? Без порядження, тобто. Та напали на мене, вирубили. Очухався, майже в чому мати народила. Сам бачиш. Пощастило, що не добили, чесно скажу. Тобі б до залісся заглянути. У медика перевіришся, із барменом потеревениш. Може, він щось і знає про нападників. Даз, merci pour le raid, alors qu'on est en train de se faire J'ai pas mes flingues. J'ai mon 9 mm. C'est tout. OK. Merci pour le raid, Daz. Bienvenue tout le monde. J'espère que tu vas bien. J'espère que ton stream s'est bien passé. Est-ce que tu as réussi à jouer à Flight Simulator 2024? Et est-ce que... Il est parti où, l'autre con, là? Il a dû passer là-dedans? Рахунки звести вирішив, так? Як же все це, курва, невчасно? Ah putain, c'est ici que je me suis fait embusquer. Alors attendez, me dites pas qu'il n'y a plus rien à looter. Eh hey, mais vous m'avez volé tous mes flingues. Ok, mais il a du loot ou pas? Non, il a pas. Ça va, parle mieux, oh. Ok. Ça passe bien, rien à voir avec ton test. Ouais, je me doutais. La synthèse vocale FR est risible. Oui, on en a eu un aperçu aussi quand j'y avais joué, oui. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais tu comprends mieux pourquoi ils font des grèves aux États-Unis pour que les gens arrêtent d'utiliser des IA pour faire les voix. Hein, quand t'entends celle de Flight Simulator. Ouais. Oh, de la vodka. Non, c'est que de l'eau. Bon, c'est pas grave. Il y a toujours ce zeppelin là-haut.
Ça rame le jeu là alors que ça affiche 90 FPS. Alors, peut-être que le retour galère un peu. On va voir un peu. Il rame chez vous le retour ou pas? J'ai l'impression qu'il rame un peu le retour, ouais, effectivement. Qu'est-ce qui peut être responsable de ça? Donnez-moi une seconde. Ouais, un peu. Ouais, ouais, je vois ça. C'est étrange. Donnez-moi une seconde. Non, je peux pas. Ça sert à rien de mettre à 120, là. Le Twitch, il en a rien à foutre. On va essayer comme ça. Attendez, on va essayer comme ça. Ouf. Voyons voir. Tac. C'est mieux ou pas? C'est pas mieux, hein. Peut-être un peu mieux. Ok, c'est mieux. On va tenter comme ça. Qu'est-ce qu'on faisait? Parce qu'effectivement, bon, c'est logique que ce soit plus fluide sur mon écran, puisque de toute manière, Twitch ira pas au-delà de 60. Mais ça devrait pas non plus ramer, quoi. La capture prend peut-être pas les images générées. Si, si, parce que les images générées, elles sortent quand même de la prise HDMI. Hein. Elles sont pas... Donc elles devraient quand même arriver au boîtier de capture. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok, j'ai pas d'objectif en cours. Il m'a dit d'aller à Zalicia, c'est ça? On va regarder dans nos objectifs. On va essayer de looter un peu pour trouver un vrai flingue. Et pas juste rester sur un pauvre 9mm qui me défendra pas. Évidemment, ça va être la merde. Puisque j'imagine... Ah, attendez. Eh ! Y'a pas un truc pour tout prendre ? R. Tout prendre. Voilà, c'est mieux. Sinon, c'est quoi mes premières impressions ? Alors, en termes de bugs, stabilité, etc. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Je n'ai eu aucun bug, j'ai pas envie de dire aucun bug parce qu'il y a eu 2-3 petites pétouilles, mais j'ai eu aucun bug choquant, on va dire. J'ai pas eu de crash to desktop, j'en avais eu un hier soir et là, depuis une heure et quelques qu'on joue, aucun problème. En termes de perf, si t'as un GPU qui permet d'activer le frame gen, c'est pas mal. Mais sinon, pas de problème. Là-dedans, faut lancer un boulon pour passer, hein, je pense. Je vais regarder mes objectifs déjà. Je fais ça où? Où est-ce que je peux voir mes objectifs en fait? Je ne suis même pas... Je crois qu'avec P, je peux ouvrir mon PDA. Ok. Ah oui, j'ai une map en plus. Ah mais si, si j'ai ça comme objectif. Ok, c'est bon, là il est suivi. Donc en vrai, le jeu Day One, là, il passe bien. Hein. La map est grande et je crois qu'on peut voir... Attendez. Ouais, on peut voir la forêt rousse. Ce qui veut dire que si on suit la trace, bim, on arrive à la centrale de Tchernobyl. J'espère qu'on aura l'occasion d'aller la voir. Ok, et moi je suis là. Le jeu supporte FSR 3.1, donc n'importe quel GPU peut activer le framegen. Alors n'importe quel GPU, ça dépend. Les GPU compatibles FSR 3.1, oui. C'est-à-dire les RTX, oui, toutes les RTX, les GTX 1000 et peut-être les GTX 900 à vérifier. La plupart des Radeon qui ont moins de 10 ans, on va dire, ouais, ça fera tourner le FSR. A priori, il n'y aura pas trop de soucis de ce côté-là. Moi, j'ai une GeForce, donc j'utilise un mélange de DLSS et de FSR. Et en vrai, les perfs sont propres, l'image est propre, aucun souci, quoi. Les boulons, c'est où déjà? Ok, on va retenter le coup du boulon. Peut-être que je peux sauvegarder, non? J'ai sauvegarde rapide sur F5? Ouais. Ok, cours! Nickel. Attends, il y avait mon scanner qui faisait bip bip bip, pourquoi? À cause de ça, je suppose. Ouais, de ouf.
Je vais pas rester dedans. Je cherche toujours donc une arme, une vraie arme. Au Game Awards, il y a une catégorie Day One of the Year. J'avoue. En vrai, c'est une bien meilleure expérience Day One que Flight Simulator. Hein. Franchement, à un moment donné, on peut le dire. C'est une bien, bien meilleure expérience Day One que Flight Simulator pour l'instant. Rien à dire. Allez, mais filez-moi des flingues. Bon, c'est sympa la saucisse, mais je veux un flingue. Ça, c'est pour la lampe. Oh, s'il y avait un bouton, un raccourci sur la souris pour foutre un coup au corps à corps rapidement. Ça se pète pas, ça, de toute façon. Il n'y a pas le framegen de Nvidia. De toute façon, moi, j'y ai pas accès. Dans les réglages, je crois qu'ils proposent que le framegen de AMD. Ouais, il n'y a que FSR3 Frame Generation. Il n'y a même pas d'option. Mais bon, je sais pas si c'est parce que mon GPU ne le gère pas ou si c'est parce que le jeu n'intègre pas le framegen de Nvidia. Avec celui d'AMD, moi je suis à 100 FPS, bon c'est des images simulées. C'est environ le double de ce que j'ai en framerate natif. Et je vois pas d'artefact en fait. Enfin moi, je vois pas de latence particulièrement. Vous voyez que je suis à 10 millisecondes, 10 à 20 millisecondes de latence, ce qui est parfaitement jouable. Et en termes de qualité d'image, je ne vois pas de soucis. Attends, peut-être au fond là-bas. Oh non, mais ça c'est du pop-in d'arbre. Non, mais j'ai pas de soucis quoi. C'est le niveau de détail, ça. C'est un classique. Le flingue de base fait autant pistolet à bouchon que dans le premier Stalker. Ouais, il est un peu là pour dire que t'as un flingue, mais je lui fais pas confiance, ouais. Pour le coup... Sur les humains... Ah, fantastique. Ok, planquez-vous. Ok, parfait. Bon... Je vais faire la récup et je vais essayer de choper un flingue. Prendre leur flingue, hein. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, il doit être par terre. Il doit être par terre, son flingue. Il doit être par terre. Reste accroupi. Non, non, laissez-moi ramasser les flingues. Je veux pas... Pourquoi je peux pas regarder ailleurs? Pourquoi tu me forces à regarder là? Il y a le flingue par terre, je le veux! C'est quoi cette embrouille? Pourquoi je peux pas diriger mon regard où je veux? Ok, on est peut-être sur un bug de qualité majeure. Ok. Moi qui disais, c'est marrant. Je disais il y a 5 minutes, hein. Franchement, pour l'instant, c'est clean. Pour une expérience Day One, on n'a pas de soucis. Mon pad n'est pas branché. Bug ou anomalie? Bah du coup... non, j'ai pas de manette branchée. Du coup, je sais pas si c'est un bug ou une anomalie, effectivement. Si je m'éloigne de la maison... Non, je peux toujours pas regarder où je veux. Hein.
Et surtout, si c'était une anomalie, mon... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me dis que si c'était une anomalie, mon beeper s'exciterait, quoi. Mais là, c'est pas le cas. Je peux pas ramasser le flingue du gars. Je commence à me demander si c'est pas pour ça qu'ils étaient en train de tirer sur la baraque. Save reload? Ouais, je vais peut-être faire ça, ouais. Créer une vraie sauvegarde, du coup, parce que comme ça, au moins, j'ai toujours ma quick save juste avant. Ok. On va voir. Bakwa, merci pour le 13e mois d'abo. Merci beaucoup pour le soutien. Il y a un PNJ donneur de quête à l'intérieur. Ben, c'est un peu étrange. J'ai pas pu looter. J'espère que leur loot est toujours là. Je peux toujours pas regarder où je veux. C'est normal, ça, ou pas? Parce que du coup, moi, je peux pas ramasser... Il y a un fusil à canoncier, là. Je le veux. Il y a la calaf, là, je la veux. Mais c'est quoi, ce bordel? Ça se tourne tout seul vers la porte? J'ai vu quelqu'un avoir le même problème hier. A priori, ça arrive si le PNJ à l'intérieur se fait descendre. Ah bon? Ok. C'est un bug listé, problème de keybinding. Ok. C'est la radioactivité qui entame ton système nerveux. On va relancer le jeu. Il faut relancer tout le jeu ou... Ouais, on va relancer tout le jeu parce que j'ai déjà load. Et ça a pas fonctionné. Sinon, j'ai une quick save juste avant. On va essayer de les tuer avant que le PNJ se fasse buter, dans ce cas. Si... Ah, merde, va falloir recompiler les shaders. Non, tu penses? Ouais, au pire, je vais reload avant. Ça, par contre, les bugs Day One, on a l'habitude, ok, ça arrive. Mais le truc de recompiler les shaders à chaque fois, même quand t'as lancé le jeu il y a 5 minutes, c'est un peu con, quand même. J'ai pas changé de GPU, en fait. Tu peux garder les shaders que t'as compilés il y a une heure, hein. Ça fonctionnera, hein. Ça doit être désactivable via un mode. Ouais, c'est possible, c'est possible. Bon, heureusement, bah, j'ai un bon GPU. Heureusement, ça prend pas trop longtemps, mais... Mais ouais, pour le coup, à part ça, on va dire, à part ce bug-là, à mon avis, si je fais continuer, je vais réavoir le bug, hein, puisque le PNJ sera toujours mort, c'est ça? C'est pas grave, hein, j'ai une save avant. À part ce problème-là, j'avais pas eu de bug bloquant jusque-là. Mais là, c'est vraiment un bug bloquant pour le coup, ça. Ouais, ok. Bon, ok. On va reload avant. On va peut-être reload avant la fusillade. Ça, c'est pas mal. Sauvegarde rapide. C'est celle que j'ai faite moi-même, ça. Je dois parler à un PNJ mort dans une quête. Mais putain, vous voyez, on critiquait Starfield parce que les PNJ importants pour les quêtes, tu peux pas les tuer. Mais en attendant, quand tu peux les tuer, regardez ce que ça fait. Ok, le coup du boulon. Impeccable.
Так. Ah, attendez, faut que j'aille fouiller là-haut, quand même. Il y a des munitions et tout. Cette fois-ci, du coup, maintenant qu'on connaît le truc, on va peut-être pas y aller en rampant. C'est peut-être pour ça qu'il est mort aussi. J'ai mis trop de temps avant de les buter, les gars. On va y aller en courant maintenant qu'on sait que... Ah, mais je les vois d'ici. От уже чого не чекав, так це допомоги. Підходь, поговоримо. Ok, parce qu'il était censé me parler. Parfait. Félix le nerveux. Ah mais il sera plus très nerveux. Ok, j'ai un fusil à canoncier. Il avait une calache lui. Il l'a fait tomber où sa calache? Ici. On prend. On va juste prendre les munitions de celui-là. Tac. Sinon, on prend tout le reste. Ça vaut le coup de prendre les flingues abîmées pour plus tard ou tu me diras, il doit pas peser bien lourd. Je vais le prendre. Mais je sais pas si ça vaut le coup d'avoir des flingues en double ou des trucs comme ça. Genre là, le canoncier, je sais pas si c'est vraiment utile de le ramasser alors que j'en ai déjà un, quoi. Ah bah hier. Ah putain, t'es pas passé loin des balles. Зазвичай у зоні чужі проблеми оминають. Тут свої вирішити. Ти тут нещодавно, так? Ага, схоже на те. Я так і зрозумів. Але всілякий непотріб я не перший. Дякую, що допоміг. Знаю, що нахабнію, але може ти мені ще в одній справі поможеш, а? Ну кажи, що там? Нас на котельні, це тут неподалік, четверо було. Косий, Ріхтер і я з Хмурим. Косий за Ріхтер, я вже зустрічав. Ріхтер йому допомагав. А ми віск у групі нещодавно. Косий з Ріхтером зранку кудись знялися, а на нас із Хмурим оці бандоси напали. Я хоч встиг тактично відступити, а от Хмурий у них. Не знаю, що les animations dignes d'un Fallout. Ça fait très dialogue de jeu Bethesda, c'est vrai. Треба його звільнити. Ну і сволот цих перебити. Хмурий віддячить. Добре, візьмусь. Що, дійсно? Мировитий мужик. Слухай, я тебе просто так туди не відпущу, ти не думай. Я схрон замутив неподалік. О, і плюс їм філь дюматос. Там усе, що потрібно. Волина, патрони, усе як годиться. Що не витратиш, твоє буде. Тільки Хмурого не кидай. Добре? Окей, місія сувтаж. Ми плюс ас апре. Alors attends, ah si, elle apparaît en bleu sur mon radar en haut, la mission secondaire. Et elle est à peu près sur ma route. Bon, ça vaut le coup d'aller le faire. Hein. Allez, c'est parti. Par contre, elle indique sa planque... Attendez une seconde, ça dit quoi ma carte? Ah non, la planque elle est là, on va la marquer.
Ok, elle est juste à côté. Parfait, on va aller servir hein, du coup. Il m'a dit prends ce que tu veux. Il faut pas me le dire deux fois ça. Équiper ma calache. Oh mais c'est déjà équipé. Bah c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ça a l'air marrant ça comme flingue. Ok, il va faire nuit bientôt par contre. Les lacs, ils sont irradiés ici. Ok, mais il faut que je le traverse pour aller dans la planque, visiblement. Sale chien. Ok. Ouais, on va tout prendre. Attends, j'ai pas confiance. Il est où le kleps? Ok, on va foutre le camp. Ну як, дістався? На жирну дорогою. Та намагались. О, putain, merde. Ти акуратніше там. І спробуй хмурого не зачепити, добре? Він хоч і сучий син, але... Oh putain, je suis irradié de ouf aussi. Attendez une seconde. Ouais, mais deux secondes. Là, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Vodka. À la vôtre. Ah oui, c'est hyper efficace la vodka. Putain, ça marche en vrai, dit. Ok, je crois qu'il m'a oublié l'autre. J'ai pas du tout de balles de kalach en fait. C'est un peu le bordel. Je crois qu'il y avait écrit « Attention, radiation, ne pas se rejeter dedans. » Encore des... Oh merde. Tant que toi. Ok, trop tard. Oh le bâtard. Attends, je comprends pas. Je l'ai touché là, non? Ou alors ma calache, elle était pas du tout en état de se battre. Oh non, je suis irradié. Bon, dans votre cas, oui, bah oui, écoute. Presque aussi mauvais que moi. Je peux faire mieux. Ou pire, ça dépend comment tu... Ok, alors attends. C'est ici qui est la mission de sauvetage. J'étais accueilli. On va essayer de... Non, c'est pas ce que je voulais. Déjà, ça, j'ai pas de munitions. On va prendre ça à la place. Ça utilise les mêmes munitions ou pas? Oui, mais elle était flingax en fait, ma calache, regardez-moi ça. Mais le canoncier aussi, il est flingax, il faut pas que je m'en serve. C'est pour ça que j'ai tiré droit vers l'adversaire et qu'il a pas pris une balle. Je comprends mieux pourquoi l'autre, il était au milieu de la pièce et tous les tirs étaient passés autour de lui. Leurs flingues, ils étaient nuls à chier en fait. Je vais peut-être me soigner aussi, on va arrêter de faire Superman là. Voilà. Mieux. Bien mieux. Ok, ensuite. Qu'est-ce qui... Quoi? Pourquoi je prends des radiations, là? Ну давай, базар, фрер. Где бабусики? Да басрать. Винки, а ну шмальни в него. Ok, c'est la merde. Je suis blessé. Ok, ça pue le crash to desktop, ça. Merde. Mais enfin! Oui, mais une lampe torche, faut bien que je vois où je vais. Bon, ouais, il y en avait un au-dessus qui me tirait dessus au fusil à canoncier, en plus, visiblement. Bon. Ouais, dommage, hein.
Ça m'a pensé à sauvegarder vos données. Mon jeu a crashé. Attends, peut-être pas. Ah, mais c'est le bug report, ça. Ouais, bah écoute, envoie. Ok. Soldat Nico, c'est quoi ce skill? Mes flingues sont pétées! Je fais ce que je peux! Ok, on va retenter. Tu dois recoder le jeu pour jouer. Non, les crash to desktop, c'est vraiment la pire chose, par contre. Parce que le bug de script, bon, pourquoi pas. On a réglé ça assez facilement. Mais les crash to desktop, par contre, c'est vraiment chiant. Ouais. Au pire, recommence avec Zangief. C'est vrai que je devrais peut-être faire ça, ouais. Ah putain, faut recompiler les shaders, non. Ah putain, non. Ça, c'est vraiment la pire partie, par contre. Parce que alors, la combinaison crash to desktop plus il faut recompiler les shaders à chaque fois que tu lances le jeu, ça, c'est pas sympa. Ça doit être quelque chose, les reviews Steam. On va aller voir. En vrai, il faudrait qu'ils crashent un peu moins quand même. Les autres bugs, tu peux composer avec. Mais les crash to desktop avec la recompilation des shaders à chaque fois, par contre, ça, c'est vraiment pénible. On n'a pas encore croisé de cerf. On a croisé des chiens pour l'instant. Clash to desktop. Ah putain, ce serait un super nom, ouais. Effectivement. Clash to desktop, mais tu fais que des débats de merde sur des sujets tech, genre c'est quoi le mieux entre l'iPhone et Android, CPU ARM ou CPU x86, Nvidia ou AMD, que des trucs comme ça. Et t'appelles ça Clash to desktop. Putain, il faut quoi, il faut que je lance l'émission. J'ai regardé deux lives hier soir, ils ont pas eu de bug. Écoute, j'ai peut-être pas de chance. Alors, on explore. Ok, nous revoici planqués derrière cette bagnole. On avait dit qu'on se soignait. Tac. Ok, cette fois-ci, je vais pas allumer ma lampe. J'arrive pas à repérer où il se trouve, par contre. Il y en a peut-être de ce côté-là. J'ai peut-être passé par là. Il faut que je mange. Il veut manger, mon perso. J'ai à manger, j'ai à manger. Par contre, les ombres dynamiques pendant que le soleil se... Merde, couche. En plus, j'ai ma calache. Attendez. Faut pas que j'utilise ce flingue, il est nul à chier. On prend ça à la place. Voilà, ça c'est mieux. Ouais, bah lampe ou pas lampe, ils me voient, hein, les blaireaux. Hein. Et là, je vais bouffer. Ah, toi. Oh, je peux le headshot. Oh, arrête de bouger par contre. Essayez de rester planqué. Hop. Ok, eux ils sont faits. Ensuite. Ok, il y en a un à l'étage. Ok, ça c'est pas mal. Allez, allez! Putain, je suis blessé!
Ok, c'est un peu plus calme. Non, c'est pas plus calme. Il est où? 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 Putain, j'ai besoin de ma lampe là, je peux pas faire sans. Ok. On va prendre. Il est peut-être en meilleur état celui-là. Le silencieux. Quoi, c'est pas fini? C'est pas fini? C'est pas possible, c'était forcément le dernier. Non, c'était pas forcément le dernier. De la vodka utilisée. J'ai pas fouillé les corps dehors. Je vais fouiller les corps dehors du coup. Attendez. J'ai... Oh putain. On va prendre tous les flingues, on triera plus tard. Il y avait lui que j'ai pas encore eu le temps de fouiller. Tac. Si c'est bon, je l'avais fouillé. Merde. Les radiations, sa mère. Ok. Les blazes, ouais, ils ont tous des pseudos, genre la valve, le silencieux, le machin, ouais. Ouais non, elle est déjà bu cette vodka. Il va rien avoir à looter dans le... Il est pas mort là quand même. Ah bah non, mais il est en pleine forme. Impeccable. On peut parler ou pas du tout? Ну, и кто тебя прислав? Рихтер, чи цей випердень Жорік? Trouve pas le jeu hyper beau. Je trouve que les environnements sont beaux. À leur manière, hein, c'est une plaine dévastée. Mais je trouve que les environnements sont beaux. La DA est plutôt bien. Mais c'est vrai que la modélisation des persos, elle est pas ouf. On est d'accord. Жорік просив тебе врятувати. Сраку він тебе попросив йому витерти. Чи ти думаєш, цих урок тут викидом надуло? Жорік на смітнику добряче програвся і думав, його не дістануть тут. І не помилився, сука. Його ж якраз і не дістали. Чого дивишся? Винагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякуй, що вони мені хоч комбез залишили. Хоча, стривай. О, детектор не забрали. Западло їм, бач, самим в аномалії лазити, артефакти забирати. Простіше вільного на виході пограбувати. Виродки. Mais j'en ai déjà un de détecteur. Ça, c'est intéressant d'en avoir un deuxième ou... Ah, je vais lui dire, j'ai déjà un détecteur, vas-y. Détecteur, moi, j'en ai déjà. Вітаю, тепер матимеш два. Ok. Універма! Добре, добре, там у печері... Mec, je t'ai sauvé la vie, tu te prends pour qui? Як щось корисне знайдеш, буде твоє. Якщо до нього бандити не встигли дістатися. Son sac à dos dans la grotte. Дякую, що допоміг, сталкере. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. А, t'inquiète. Ну що, Сергій? Toi, t'en avais pas besoin d'aide. Хмурий! Ти навіть не уявляєш, який я радий. А ти давай приходь, ну щоб я краще уявив. У мене тут ще справи. Тож ти поки відпочинь, охолонь, а я як розберуся, так буду. Це ж гівнюк. Ouais, les persos sont pas super bien modélisés. C'est mieux que le 1 quand même, faut pas déconner, mais les persos sont pas non plus super bien modélisés. Mais par contre, les environnements, je les trouve très réussis. Hein. On va prendre ça. On va prendre tout ça, déjà. On va se payer avec ce qu'on trouve. Hein. Boisson énergétique non-stop. C'est parfait. Oh! Ok, là par contre, je commence à avoir plein de merde dont j'ai pas besoin. Hein. On va récupérer les munitions qui sont dedans et on va tout laisser ici. Tac. Tac.
Так. Ok. C'est déjà pas mal. Ça, c'est un silencieux pour un flingue. C'est bien ça. Pour le coup. Est-ce que je vois mon flingue à moi dans ce bordel? C'est lequel que j'ai d'équipé actuellement? C'est celui-ci. Oh, putain, il est vraiment flingué mon truc. Hein. Attends, non. Je vais récupérer, mais où est-ce que je vois mon flingue? Ah, fixé à pistolet de skiff. Parfait. Ok. Ça, on prend. On prend. C'est des grenades, ça. Hein. Faut que je les équipe aussi, faut que je m'en serve. Ouais, il est sur moi, le flingue, mais je le... Ah, putain, si, je le voyais pas, il était là. Ok. En fait, il faut que je me débarrasse de ces flingues aussi. Hein. Ils me servent à rien, pour le coup. Il est déjà vide, lui. C'est quoi la différence entre déposer et abandonner, par contre? Ah, peut-être que déposer, c'est pour foutre dans le coffre, et abandonner, c'est pour le jeter dans la nature. Ok. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Ok. Prenons ce qui reste et puis on se casse. Abandonner, ça spawn pas. Ouais, c'est possible. C'est possible. Non, mais là, comme je suis en face d'un coffre, c'est peut-être pour ça aussi. Ok, j'ai rempli le coffre avec des flingues pétées. Et ça, c'est quoi? Invitation pour Vovan. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Ouvre le PDA. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Si tu voyais comment les gars sont installés ici, tu le croirais pas, on a perdu le grison au cours de l'éviction des précédents locataires. Il était lourd de toute façon, alors passe pour la cérémonie d'adieu. D'accord. Ok. Faut que j'aille trouver la planque de l'autre con, là. Il m'a dit qu'il y a des trucs à ramasser dedans. Vu que je suis en mission, me remplir les poches et capitaliser autant que possible, on va faire ça. Passe pas trop par là parce que c'est irradié dans la cour aussi. Mikitos Booba. Le cerf. On a tué le cerf. Ouais, c'est de l'UE5, hein. C'est de l'Unreal Engine 5. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Absolument rien. Ok. Une petite seconde. La carte. Elle est où la planque de Pistounet? Elle est là. Et après, on va aller à notre objectif qui est là-bas. Est-ce qu'on peut passer par là ou pas? On va passer par là. Les flingues pétées, ça se revend pas. Ah, ok. Donc il faut vraiment s'en débarrasser. Ok. On peut pas les démonter. Tant qu'à faire, s'il y avait une mécanique de pseudo-craft où tu peux démonter les flingues pétées pour réparer le tien, par exemple. Ok, on a une anomalie, là. Attendez, y a pas un autre chemin. J'ai des boulons, au pire. Hein. Mais, pas grimper, là? C'est dommage. Ok, 30 mètres dans cette direction, il y a un chien quelque part par là, je l'ai entendu. Encore une anomalie, je vois rien.
Ah putain, je vais prendre feu si je descends, c'est ça? Oh! On peut passer par là quand même ou pas? Comment je remonte après si je descends? On va F5. Ouais, hein. Non, mais c'est un peu relou ça quand même. On va essayer de trouver un autre chemin. Ok, on va peut-être essayer de passer par l'anomalie qu'on avait repérée tout à l'heure. Je sais plus où je vais. Je ne sais plus où je vais. Où est-ce que j'ai sauvé Attends une seconde, je suis où là? Ok. J'ai vu une sortie, tu montes sur la butte. Par là où j'étais. Mais en fait, la grotte, je l'ai vue par au-dessus. J'imagine qu'en passant par là, je vais trouver l'entrée de la grotte. Faut juste que je jette un boulon dans l'anomalie, là. Genre là. Ok. Encore un là. Non, parce que là, ça va m'emmener à mon objectif principal, je crois. Chelou, cette affaire. Merde, merde, merde. Écoute, on va essayer de se jeter dans la grotte. J'avais F5 avant, donc on va pas se prendre la tête si jamais on crève. C'est juste que je sais pas comment je ressors une fois que je suis dedans, mais... Il faut être aventurier un peu. Oh merde! Vous êtes sérieux là? Mais putain! Super! Tout ça pour ça! Ok. Ça tire de l'autre côté là-bas. Qui tire? Non, pas une grenade, t'es ouf. Il est où mon flingue juste? Ah. On peut pas tirer dans le... Si, ok. Oh, nice. Ok, ça valait le coup. Ah putain, mais je me suis pris la tête pour rien, en fait. L'entrée de sa plante, elle était là. J'avais pas besoin de faire le tour. Ok. Oh merde. Ok, il est pété, le flingue. Le fusil à canon scié, c'est un faux plan, faut pas s'en servir. Ok, bon, bah allons vers notre objectif, du coup, là. On a bien terminé avec ça. Salut, tonton Yo-Yo. Ok, anomalie, ici. Non, pas une grenade, non, ça marcherait, mais c'est pas...
Ok. Non, pas ça. Il faut que je déséquipe ce truc. C'est un problème plus qu'autre chose, en fait. Voilà. Non, même pas la calache. Non, non, mais j'ai aucun autre flingue qui soit utilisable en combat, en fait. Aussi, ça, mais enfin, c'est le même, donc... c'est pas... Ouais, non, on va garder ça, hein. Tant pis. Hein. Il est à 73%, lui, cela étant. Hein. C'est pas non plus la gloire. Hein. Mais c'est pas grave, tant qu'il fonctionne. Il y aura de la viande au menu. Ok, go, c'est par là-bas. On se rapproche du zeppelin au fur et à mesure. Hein. Est-ce que ça vaut le coup d'aller fouiller ça? Ou est-ce qu'on va se faire attaquer? Oh merde. Slava le mousquetaire. Ouais, non, je vais juste prendre tes munitions, hein, c'est pas... Hop. Ok. Allez, on se casse. Les mots d'or rendront le jeu plus hardcore. Écoute, déjà là, pour l'instant, c'est... on m'avait prévenu, hein, la première heure de jeu, elle est rude. Et oui, elle est rude. Franchement, j'aime bien. Mais ouais, la première heure de jeu, c'est pas un jeu accueillant, quoi. Salut, chat carton. Il est bien, pas trop de bugs. Écoute, en moyenne, pas trop de bugs. Le problème, c'est que les bugs qu'on rencontre... Ouh, je suis pas tout seul. On va l'éviter, lui. On va l'éviter, on va continuer vers notre objectif. Les bugs qu'on rencontre sont très bloquants en vrai. C'est un peu le souci, c'est-à-dire... on a eu 2 ou 3 crash to desktop depuis le début du stream. Et on a eu un bug de script qui se lançait pas et qui verrouillait ma caméra en place. Me dis pas que je suis obligé de passer par là. On dirait. Attends, que dit la carte? Il faudrait que je récupère la route là, mais... je sais pas où va cette grotte. Valco le rock. Avec un flingue en très mauvais état. Bon, on va récupérer les munitions. Tac, de l'eau. C'est bien. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ouh, le jour se lève. Parfait. Mais c'est pas possible, comment on récupère la route là? Oh non! Comment on récupère la route? €8 compteur, et à part 3 retours bureaux, rien de méchant. Moi j'ai l'impression que les retours bureaux c'est fréquent. En fait, ce qui m'emmerde avec les retours bureaux, c'est que tu dois recompiler les shaders à chaque fois que tu relances le jeu. Alors si t'as une bonne machine, c'est rapide, mais enfin c'est quand même assez pénible quoi, d'être en pleine action, d'avoir un crash to desktop, de dire ah je vais recommencer, c'est bon, cette fois j'y arrive. Et d'attendre 2 minutes. Que les shaders se compilent, c'est pas la meilleure expérience quoi. Mais à part ça, pour l'instant le jeu il est cool. On peut descendre là. Il faut que j'aille juste en face là, hein, à côté de l'espèce de tour. C'est là-bas que je vais, mais je sais pas s'il va. Je vais me péter une cheville, non, si je descends. Il y a ce genre de mécanique dans le jeu. Je vais faire gaffe quand même.
Ok, mais j'ai pas le choix. Écoute. Il est athlétique, Steve. Il peut faire une réception. Il peut faire une réception à la Yamakasi, je le crois. Ok, non, j'ai pris méga cher. Voilà. Dissimuler une arme. Les étrangers qui se promènent avec une arme prête à tirer ne sont pas les bienvenus dans la zone. H pour dissimuler mon arme. Voilà. Je ne suis pas armé. Je me cache quand même dans une baraque, hein, mais je suis pas armé. Yamakasi. Ouais, je me suis flingué les tibias, là. Ok. Donc quoi, c'est une communauté pacifiste? Il y a enfin quelqu'un qui va pas essayer de me tuer? Ou pas m'engueuler parce que je suis là? C'est pas vrai. Je vais quand même piquer tout ce que je trouve dans les placards, hein, je vous le dis, mais... En même temps, y a rien à piquer. Je sais pas à quoi je m'attendais. Y a rien à prendre. Ah ! Sanya le microbe. Il va essayer de me tuer, Sanya le microbe, ou pas ? Ah. Il pleure la mort de... Est-ce qu'il y a des petits chats ? Non, il y a des petits chiens. Et ils sont très agressifs. si on peut s'accroupir, hein, si on peut s'accroupir. З часом до всього звикаєш. Аномалії, артефакти, мутанти, бандити. Уже й здається, що ніякої великої землі не існує. Ну так вийдеш за периметр, а там нескінченна зона. Окей. Он peut marchander, dit. О! Зустрілися, то може треба щось. Alors attendez, ils vendent des saucisses. C'est quoi ce petit 3? J'ai 3 fusils à canon scié que je peux lui vendre. Oh là là, mais je vais lui prendre tout ce qu'il a. S'il les vend, je vais lui acheter la... C'est quoi le... Comment on appelle la monnaie? C'est quoi la monnaie qu'on utilise en Ukraine? Je le sais même pas. Ah, mais attends, pourquoi elles sont en rouge? Il achète pas les armes? On dirait qu'il achète pas les armes. Si? Attends, non, il faut que je le mette là. Non, on dirait pas. On dirait pas. Pour info, les vrais marchands payent mieux. Ah, ouais, mais il faudrait que je me vide les poches un peu quand même, parce que, bon, j'ai de la place, tu me diras. Hein. J'ai de la place. Je sais pas combien j'ai de thunes. J'ai absolument zéro thune. Non? Ah non, j'ai 850. Ou alors, est-ce que c'est la valeur de mon sac? Je peux acheter, là? C'est quoi ma balance? C'est ça, hein? On est d'accord. C'est la thune que j'ai, là. C'est des Vinia qu'on utilise en... D'accord. Et la saucisse, je peux l'acheter ou pas? Ok. Ça, il veut pas me le vendre, par contre. Ah, parce que j'ai peut-être pas assez de thune. Non, c'est bon. Je peux foutre les deux. Vas-y, prends tout. Ça servira. Ok. Et je peux pas lui vendre mes flingues. A priori. Bon, c'est pas grave. C'est ça. Kostia le Don Juan. Ah, je peux leur demander des рагу. Ok, il faut que je parle à tout le monde jusqu'à ce que je trouve des informations sur Solder, c'est ça? Здорово, мужик.
Снаряди, пігулки – це все хімія. Краще 100 грамів горілочки жахнуть, усе як рукою зніме. Mais oui, mais t'as raison, y'a rien que la vodka puisse pas soigner. Ok. Ben d'ailleurs, t'es équipé. Qu'est-ce que c'est? Y'a un truc en bleu sur ma... Bah c'est là où je me trouve. C'est quoi ça? Mission annexe disponible. Allons voir. Я шукаю припої. Ні, з цим до баті. Він отам сидить. Чого тобі? Сядь, не маяч. Там ви гетапан, ко. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Еч, солодику, слухай сюди. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях зони? А? Гарний початок. У торговця Хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс Косий. Співчуваю, капітане. Але Залісся – зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Де Косий? Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граюся в сталкерські премудрості? Добре. Косий був там. Добив 300-х. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Putain, en plus, je suis таймé pour répondre. Це не так просто. Добре. Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Спокійно. Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Що ж, коли говорить зброя, закони мовчать. Ça sort les flingues pour un oui ou pour un non, on dirait un film de Tarantino. Сталкер, новенький. Підходь, поспілкуємося. От такі у нас розваги в Залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома. Спаски. Для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк наведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо Зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. А капітан намагається це по-мирному вирішити. У кого мені за припоя дізнатися? У Зотова. Варта кого хочеш знайде, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну, або батю запитати. Тільки почекай, хай хоч додому дійде. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив. Річний запас лайна звалився. Давай, щасти. Перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться. А, ще подивлюся на місію. Є для мене якась серйозна робота. Ще пилюку з великою не збив, а амбіції вже хоч греблю гати. Знаємо, бачили.
Якраз одного такого малька борг витрясти треба. Звуть Гришою Валяном. Валік Люмокс. І багато він тобі винен? Достатньо. Не розрахувався за недавню гулянку. А до цього за провізію. C'est verbeux comme jeu. Bah ouais, ouais, bah les dialogues, forcément, ça enrobe un peu l'univers du jeu, même là. Малька провчити треба, що в зоні так діла не роблять. Раніше зрозуміє, довше проживе. Ah non, c'est pas du tout un FPS piou-piou à la Call of Duty. On est plus proche de l'immersive sim que du FPS bourrin, pour le coup. Hein. Et ça contraste un peu avec les moments où on est tout seul dans les steppes, là, et on essaie de pas se faire tuer par des animaux sauvages. Mais добре. Це підходить. Ouais, c'est très RPG, hein. Він поспіхом кудись на північ ступав. До водонапірної вежі. Salut Divider. Стривай. Ось іще. Мені його кров не потрібна. Достатньо пацана налякати, щоб гроші вибити. 20% твої. OK, faut pas le tuer, faut juste lui casser la gueule jusqu'à ce qu'il paye. On peut faire. Est-ce que j'ai le droit de bouffer tout ce qui traîne sur les tables ou c'est considéré comme du vol? Parce que j'ai faim là. Petite saucisse. Ok, bon bah écoutez, sur ce on se casse hein. J'ai mes infos sur... Tiens, je vais boire une bière. Hop. Est-ce que ça compte pour la fin, la bière? Je pense pas, hein. Non, il faut que je mange une saucisse pour de vrai. Je peux pas manger ici. Sors pas une arme. Qu'est-ce que tu fais? Cache ça. Saucisse. En fait, je peux les foutre dans les accès rapides, peut-être, non? C'est juste que là, j'ai foutu la vodka et la flotte, mais... j'ai mes infos, là, sur... Parce que là, il m'a filé une quête secondaire, mais... Ah, il faut que j'aille parler au vieux chez lui pour avoir mes infos sur... Yes. Et ça, c'est ma quête secondaire. Très bien. Cheers, новенький. Розмовляю. Ok, il est où le vieux? J'ai plusieurs objectifs. Interroger le capitaine Zotov au sujet de Soder. Interroger le vieux. Ah, le vieux, il est là-bas. Le capitaine, c'est le mec qui nous a menacé dans le bar, là. Je sais pas si j'ai envie d'aller lui parler, du coup. On ira peut-être après. Купонів кіт наплакав. Salut Brassica. Файно сходив. Аж три артефакта. Хом'як з руками відірвав. Можна хоч зараз вертатися. Ну так чого сидиш? Я знав, що це твоїх рук справа, Ріхтере. Нібито й треба. Це справа рук косого. А косий чия людина, а? Моя. Тому мені потрібна твоя допомога. Яким би він не був, він не має потрапити до варти. Ти припер цього прибаченого в моє залісся. Pas de déception, le jeu est cool. Mis à part les quelques bugs qui sont chiants parce que c'est genre crash to desktop et des trucs comme ça, le jeu est très cool. Старий друже. Гаразд. Сідай, не крутися. Подумати треба. Ok. Je peux rentrer chez lui pour lui parler quand même. Qu'est-ce que tu veux, toi?
peut-être que je fasse le tour de la baraque en fait. Là. En fait, si je mets pas la lampe, mes yeux s'habituent à l'obscurité. C'est cool ça aussi. А ты чего в ухо гриш? Сам же чу. Я зайнятый. Які люди. Вибач, якби знав, що варта так швидко до залісся добереться, я б тебе до іншого місця відправив. Салют, я навіть знаю, до якого. Що хотів? Я шукаю одну людину. Припоя. Знаю такого. І де його шукати знаю. Але мені теж потрібна допомога. Допоможи мені знайти косого, і я розповім про припоя. Ти ще й свіжака сюди вплутати вирішив? Батю, нам просто потрібно, щоб хтось злазив на ту вежу. Халявна справа, я би сам... А, щоб тебе там хапнули, а я потім пояснював... Астанол, мерсі пур тон 29-й мой дабо, мерсі боку. Ені, сиди не рипайся. Сталкера, аеростат у центрі залісся бачив? Треба на цю вежу залізти та з обладнанням помудрувати. Я скажу техніку, щоб він з тобою зв'язався, коли... Je vais devoir escalader une tour. Putain, on est dans Far Cry. Ça y est. Гаразд. Я допоможу з косим. А я з припоєм. На вежі все просто. Якби варта там не крутилась, я б давно все зробив. Тільки коли знайдеш косого, ти там обережніше. Він і раніше не сильно спокійний був, а тепер взагалі берега пустився. Але він усе ж моя людина, яку б хрінь не скоїв. Допоможи йому вибратись, якщо вийде. А якщо не вийде, то принеси сенсори, які він украв. Не можна, щоб варта їх отримала. Нам цю кашу ще якось розгребти треба. Окей. Je peux interroger le capitaine. PDA du vieux. Il piquer son PDA quand même. Oh tiens. Il m'a envoyé à la tour là, c'est ça? Trouver le loucheur. La tour, elle est là. Par là, on peut pas passer par là. Si. Attends, c'est de cette tour là qui parlait. Ah oui. Ah oui, elle est juste en dessous du dirigeable. Ça va littéralement me débloquer des points sur la map, donc. Vraiment comme dans Assassin's Creed ou dans Far Cry. Антенна горить. Il parle plus sur un тоті-воті? Наче працювала. А цю тепер тиждень лагодити, не менше. Тупай туди, координати скинув. Ça lui a dit donc une fois. Ok. Bah changer la fréquence, ça va pas changer grand chose vu qu'on vient de cramer l'antenne, non? Зачиняй, каже наглухо. У мене на сході лівак вимальовується взагалі-то. Твоя щека патронів обіцяв. А тепер що? Мені їх на хліб мазати чи як?
Та не сти, виграть все. А поки не метушися. В плотей он з кордону поплюй. Ей, Шугаєв, неси пузир. Сумувати будем. Посумуєш тут, ага. Сухін, старий хрін, зовсім озвірів. Каже, стріляти буде. Нас, сумних, прикинь. Раз, якось воно розрулиться з цими патронами. На зв'язку. Ok. Ça monte encore là-haut, là ? Oh, merde ! Mais vous êtes qui, vous ? Oh ! Putain ! Sorti de sa cage, ce con. Peu de lecture. Commence par cette tour. Comme convenu, tu ferais mieux de ne pas escalader le ballon. On se retrouve à la seconde marque. Tu veux découvrir tous ces sommets en un mois? Dépêche-toi, c'est vraiment flippant ici. Je ne vais pas m'éterniser. Ouais, je sais pas si c'était un chien ou un rat, vu la taille du truc, ouais. Ok. Ah, c'est un sacré surmulot, hein, regardez-le. Ouais, belle bestiole, hein. Essayez de pas tomber aussi, ce serait pas mal. Bah non, je les escalade pas, je les descends. On peut pas mettre des tatanes, il doit y avoir un bouton d'attaque au corps à corps. J'ai un couteau pour le corps à corps, mais il doit y avoir une touche, mais elle est pas configurée sur ma souris s'il y en a une. Attends une seconde. Où est-ce que tu refais le... Le mapping. On peut pas changer le mapping? Mais non. Sprinter, s'accroupir, sauter, marcher, pencher à droite, gauche, tirer, recharger, viser, retenir la respiration. Élimination rapprochée et discrète. Jeter une grenade, blablabla. Il n'y a pas de raccourci pour arme de poing 2. Ça, c'est pour changer d'arme. Mais je crois pas qu'il y ait de quick. Bon, alors je l'ai loupé. Inventaire, tirer, trier l'inventaire, blablabla. Non, on dirait qu'il n'y a pas de touche pour rapidement faire une attaque, un coup de crosse ou un truc comme ça. J'ai pas l'impression. Graphiquement, le delta entre celui-ci et Call of Pripyat est moins important que ce à quoi je m'attendais. Ça reste très joli. Ouais, comme je le disais, je trouve que les environnements sont très jolis. Les monstres, d'une certaine façon, sont très jolis aussi, à leur manière, on va dire. Mais par contre, V, tu penses? Ouais, V, c'est un coup de crosse. Je l'ai pas vu dans la liste, mais t'as raison. V, c'est un coup de crosse. Mais c'est vrai que la modélisation des personnages est pas incroyable. Ils sont relativement moches. Mais sinon, les environnements sont réussis, hein, je trouve. Quand t'es en haut de la tour et que tu regardes au loin... Сталкери, негайно залиште об'єкт. Радіовежа під охороною варти. Доступ до неї заборонений. Тобі зайнятися нічим, скелелази? Це капітан Зотов. Підійди. Ça y est, j'ai déjà des problèmes, quoi. Ok, il est où le capitaine Zotov, là, qui veut me parler? Merde, attends, je peux pas garder mon flingue, là. Je vais me faire attaquer. On va peut-être pas passer par là.
Il était où, capitaine Zotov? Zalicia, ça c'est juste la ville. Interroger le capitaine Zotov. On va lui parler. Il est dans la grande baraque, gardée par plein de monde. Quelque part par... Elle est où cette grande baraque déjà? C'est ça là? Ah ouais, c'est ici. Non, on peut pas se parler? Oh, tu fais attention à moi ou... Captain Zotov? Мені сказали, ти можеш допомогти з припоєм. Спершу тобі треба допомогти мені, сталкере. Сам знаєш, із чим. Косий? Саме він. Ok, donc lui il va me demander de tuer le loucheur et j'imagine que l'autre il veut pas que je le tue. Ти дійсно віриш, що це Косий вбив твоїх людей? Це питання порядку, сталкер. Не віри. Якщо вільні вирішать, що можуть безкарно вбивати моїх людей, настане хаос. Ми обов'язково знайдемо і покараємо справжнього вбивцю. Але зараз... Для порядку вистачить і мародера, який привласнив те, що належить варті. Ми ж не вбиваємо інноцентного, в фето. Що я можу зробити? Косий мерзота. Але для всіх місцевих він перш за все сталкер. І місцевість довкола малої він знає. Можливо, такий сталкер, як ти, знайде його швидше за нас. А звідки мені знати, що ти не кинеш мене? Ми тобі не торгаші чи бандити. Варта слово тримає. Я в курсі, що вільні нас називають по-різному, але кидалами ніколи. Мені потрібні сенсори, які Косий познімав з тіл моїх людей. Це exactement ce que dira un escroc. Якщо одночас і самим Косим щось трапиться, я не сумуватиму. Утім, я ж не наполягаю, сталкере. Не ти, так інші охочі знайдуться. Виходить, наважився. Ну, хоч у когось на малій голова на плечах. Умови прості. Я тобі кажу, що знаю, а ти наших хлопців не пресуєш. Домовилися? Кажи, а там вирішимо. Я попитав своїх. Думаю, він неподалік, на складі. Якщо ти відправиш загін, то... Загін він одразу помітить. Краще наш друг туди прогуляється. А щодо того питання, сталкере, я спробую дізнатися. Мені здається, що краще відправити твоїх людей, капітане. Вони значно досвідченіші і зрештою... Ти, дядько Льоню, не нервуйся, присядь. Посидимо разом, почекаємо новин з місця, куди ти моїх людей так сильно хочеш відправити. Сталкере, ти наказ чув. Удалого полювання. Bien. Ok, donc je sais où il se trouve. Trouver le loucheur. Explorer l'entrepôt avec les panneaux de danger de radiation. T'es sûr que c'est une bonne idée Ah, tu me diras, j'ai de la vodka. Hein. Ok, ça se trouve où sur la map? Repérons, on va aller chercher... Ah, j'ai des quêtes secondaires aussi. J'ai plein de quêtes à débloquer déjà, là. Je vais pas tout faire. Mais... Ah, il y a un marchand, là, aussi. Peut-être que je peux lui vendre mes flingues avant de partir. Attendez une seconde, on va aller voir le marchand. Ah oui, ça c'est le barman qui m'avait demandé... Ah mais non, mais le sorcier, le marchand, c'est le bar, ça. Le hamster. Lui, je vais peut-être aller le voir. Et ça, c'est le barman qui m'a demandé d'aller récupérer sa dette. Ok. Il va déjà faire nuit. Comment je sais quelle heure il est? C'est marqué sur le PDA ou bien?
16h53 in-game. Ok. C'est toi le... Non, c'est pas toi. Oh. Reste cool. 11 mètres. Il est par où ce con? Il est dans le bâtiment. Hein. Ok. Discutons. Але ж я готовий добре заплатити. Ще пак. Ні, мужик, шукай собі іншого дурня, що на видиму смерть піде. Окей, quête secondaire, ça aussi. Toi. Найкращий товар за найнижчою ціною. Les meilleurs tarifs de la zone. Від себе відриваю. Кого хочеш, спитай. Le meilleur kebab de Zalicia. А якщо в когось щось зламалося, так це тому, що обережно треба з речами поводитися. Шмот же не залізний. Ну, окрім того, який реально залізний. Давай, викладай, що там у тебе? Давай. Non, je veux juste commercer. Погляньмо, що там у тебе. Окей. О! Фузил de chasse ordinaire. Oh, il est en parfait état en plus. Putain, par contre, ça coûte cher. Ça coûte tellement cher. Les meilleurs tarifs, c'est Games Planet avec le code Stalkeroni. Exactement. Exactement. Attends, qu'est-ce que je veux lui vendre? La calache, là. La calache qu'elle est pétée. Eh, ça se vend pas mal, ça. On va vendre la calache. Il prend, ok. On m'a dit les armes pétées, il les prend pas. Elle a encore 25% de... Et elle tire, hein, toujours. Elle touche pas la cible, mais elle tire. Mais il veut pas... Ah, putain, donc il faut que je jette ça, en fait. Hein. C'est devenu inutile, hein, dans cet état-là. Hein. Ça, il reprend ou pas? Sérieux? Ok, il en reprend un. Il en reprend deux. Il en reprend trois. Et ça, il reprend pas. Ça, il reprend pas. Ok. Qu'est-ce que c'est, ça? Non, mon Red Bull, je vais garder. C'est pas assez pour acheter... Oh putain, il coûte trop cher. Il coûte trop cher. Je vais peut-être juste prendre des munitions. Oh, un masque à gaz, c'est pas mal aussi, non? Ouah, le prix! Mais j'ai pas les moyens, moi, d'acheter tout ça. Mais vous êtes des fous. Ok, le fusil à canoncier, il le vend cher ou pas? Putain, il le vend cher aussi, hein. Sa mère. C'est violent, quand même. C'est violent. Je vais peut-être juste prendre des munitions, alors, ou économiser, je sais pas. Déjà, je vais lui vendre ça. Ok. Les PDF, on les... Les PDF. Les PDA. Les PDA, on les vend, non, on s'en fout, hein. Oh, il rachète. Ok. Voyons voir. Combien j'ai sur moi, là? 1886. C'est 1804. Mais après, du coup, j'ai plus de thunes. Du tout, quoi. Et niveau munitions, je sais pas si je suis bien... Ça utilise quoi comme munitions, ça? 9-19. Combien j'ai de balles? Oh putain, j'en ai plein. Ok, les munitions de fusil à canoncier. C'est quoi? Ça utilise quoi? ?1270, c'est quoi ça? C'est ça? Ouais, chevrotine 1270. J'ai quelques balles, hein. Putain, c'est relou. Je vais pas... J'aimerais bien avoir un deuxième flingue quand même, mais j'ai pas envie de dépenser tout ce que j'ai. Je vais prendre. Je vais prendre, tant pis. On va looter tout ce qu'on peut, on vendra des trucs, on se débrouillera. On se débrouillera, on se débrouillera. Je vais y arriver. J'ai des soins, j'ai de la bouffe, je suis pas si mal. On se débrouillera. Je lui prends le...
Так, et j'équipe direct. Nickel. Ah, c'est bien ça aussi pour. Ça fournit si peu de protection supplémentaire pour le prix que ça coûte à l'enfer quoi. Ok. Заходи ще. Ouais, c'est ça, on repassera. Putain, c'est cher quand même. Hein. Va falloir en faire de la quête secondaire pour pouvoir tout se payer. Ouais, ben je repasserai, t'inquiète. Oublie pas ce que t'as à me dire et je reviendrai te poser la question. Ok, on va chercher. Je vais retirer le marquage du marchand de mon truc. Tac, et on va aller chercher... Lui. Donc on va prendre la route là, on va partir à droite. Il va faire nuit, ça va être tellement pas pratique. Putain. Attendez une seconde. Ouais, les bruits de la forêt sont pas terribles. Il y avait des lits indiqués dans le truc. On peut, ça veut dire qu'on peut pioncer ? C'est probablement payant. Ça veut dire qu'on peut dormir quand même ? Attendez, il y a des lits là. Est-ce que ça veut dire que je peux dormir et attendre le matin ? Imaginons. Ils sont où les lits ? 19 mètres ? Attends, je vais les marquer sur ma carte. Là, lit. Je peux pioncer chez le marchand. Il va me demander de payer parce que j'ai plus un rond. Hein. Genre vraiment, je suis... C'est vide ça, je suppose. Ouais. Ok. Gratos! Putain, service compris, c'est incroyable. Ok, on a dormi combien de temps? Quelle heure il est? Il fait jour. Il est 3h du matin. C'était pas l'idée. On va redormir. T'as pas assez dormi. J'ai ramassé une lettre, tiens. Sommeil impossible. Comment ça, sommeil impossible? Mais non, mais moi je voulais dormir jusqu'au matin. C'était pas ça l'idée. Ah bah bravo. On peut pas faire une bonne nuit de sommeil, non? Dormir 8 heures, c'est pas une option. Bon, ben on va manger une saucisse. Pas de croissant, par contre. Ouais, pas de croissant, il m'offre même pas un café. Donc du coup, il faut que je prenne une saucisse, non un bout de pain. Tiens, on va prendre de mon stock. Eh ben écoutez, on est parti. Hein. On voulait pas partir de nuit, mais... Quoi, il a encore faim? Bon, bah saucisse, hein. Voilà, c'est bon. Petit pique-nique. On est prêt à partir. Et lui, une sale note sur TripAdvisor, mais c'est clair. Il n'y avait même pas de drap sur le lit, quoi. Alors, ok, c'est gratuit, c'est gentil de ta part, mais enfin bon... J'attends un minimum de qualité de service, je suis désolé. Ok, on va tester. Ouh! Anomalie, juste en face. Oh putain, anomalie partout. De toute façon, moi je crois que je pars par là, non? Ouais, je pars par là. J'ai faim à force de parler de bouffe. Ouais, je suis désolé, c'est mon perso qui avait faim. Apparemment, j'ai un debuff s'il a faim et que je mange pas, donc... Je suis obligé de manger régulièrement. Et comme là, on venait de dormir, bon bah... Mais ça me donne faim aussi, hein, je te rassure, je crève la dalle, là. Anomalie quelque part. Je vois pas où. Oh, merde. C'est quoi, ça, encore? On va éviter ça. Сюда, а? Пацан, не ховайся там!
Oh merde. Il paraît que c'est un vrai problème en Ukraine, les chiens errants. Hein. Mais qu'est-ce que vous êtes hyper nombreux? Mais enfin! Oh non, 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 non! Oh merde! C'est bon. Oh putain, l'enfer. Je me suis pris dans l'anomalie en plus. Ok, on a un problème de chien errant là. Oh merde, ça tire que deux coups ça. Ok, ça va pas être jouable. Hein. Il y a trop de chiens et j'ai pas assez de cartouches. Hein. Foiré! Merde, je suis blessé, je saigne. Pas bon ça. Deux secondes! Mais oh, tu vois bien que je suis occupé! C'est le dernier chien, je crois. Hein. Viens ici, au pied. Hé! Hey. Voilà. Désolé, hein, je voulais pas en arriver là, mais. Ok, ça a l'air d'être par là. Ils sont en titane, ces chiens. Ah, ils déconnent pas, il faut deux cartouches de fusil à canoncier pour les tuer. Et ils ont le buff des radiations aussi, là. Ils s'en foutent, ils ont plus rien à perdre. Ah. Est-ce que si j'y vais sans arme, ils me tirent pas dessus? Parce qu'on m'a dit, fais gaffe, il est un peu vénère. Après, il va me dire t'as tué mes chiens, mais... Mais il est quelque part ? Mais il se passe quoi ici? Vous allez pas me renseigner sur monsieur? Eh? Oh, je te parle. Ok, j'existe pas. Pour tirer sur les chiens, viser les chiens. Oui, mais cours vite! De polka. Je peux l'attaquer. Сталкера шукаю. Косого. Зустрічали? Ну, заходив тут один. Клікуху не питали, шуганули. Куди він пішов, бачили? У нас тут що, довідкова? Non, mais ça va si tu l'as vu. Ah oh, putain, j'ai pas la thune. J'ai pas la thune, voilà, parce que j'ai acheté un fusil, j'ai fait un choix, j'ai choisi la violence, moi. On peut pas quitter le dialogue sans se battre. Набридли мені розмови. Нудно. Братва, сталкер занудьгував. Треба полоскотати. Печера, ти труп, ти пута. Eh, mon fusil! Non, j'ai rangé mon fusil. J'ai rangé mon fusil. Et je suis rentré sans armes. Parce que moi, je voulais venir en paix. Mais ça n'existe pas, la paix, dans ce jeu, visiblement. Ben non, mais moi, j'avais oublié. J'avais plus d'armes dans les mains. Mais bon, maintenant, je vais rentrer avec un fusil bien chargé. J'ai peut-être même calé une balle au mec en bas qui fait des pompes, on sait jamais. Juste par acquis de conscience, quoi. Ah, putain, les chiens! Attendez une seconde. Si on sprint... Yeah.
Оп, Сивон. Allez, en vrai, c'était un bon plan. Hein. Esquive de chien. Aucun problème. Aucun problème. Esquive de chien. Et puis, ils sont partis faire autre chose. Parfait. Ok. Vas-y, continue. Bon, j'ai pas les moyens de le payer pour ces informations, donc il faut que je les bute, quoi. Ça veut dire qu'eux aussi vont m'attaquer. Tiens, je te pique ton Red Bull. Сталкера шукає. Косого. Салют, Артін Допан. Зустрічали? Ну, заходив тут один. Клікуху не питали, шуганули. Куди він пішов, бачили? У нас тут що, довідкова? Набридли мені розмови. Ну, окей, lui headshot d'entrée. Ensuite, le guitariste headshot avant qu'il sorte un flingue. Et il nous restera l'autre dans le coin. Ok, et merde, j'ai que deux coups! Me tue pas, me tue pas, me tue pas! Oh putain, et comme prévu, l'autre derrière, il m'a buté. Ok. Ok. Putain, il y a un compteur de mort, j'avais pas fait gaffe, c'est ma 9e mort. Ok, il me faut une autre stratégie. Je peux quitter la pièce et jeter une grenade dans la pièce. Ensuite, m'occuper du mec sur le balcon. Après, je descends l'escalier. Je bute le mec qui faisait des pompes. C'est bon, j'ai un plan. Il est parfait. Il peut pas foirer. Ramène les chiens. Je devrais, hein, en vrai. Hein. Ah putain, faut encore sprinter. Hop, esquive de chien, esquive de chien. Attention à gauche, esquive de chien. Bim, 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 bim. Rien vu. Tac, et moi, je me casse. Parfait. Ils m'ont pas suivi. Je dis qu'ils m'ont pas suivi, mais... Non, ça va. Ça va. Copain, tu cries si les chiens rentrent, hein. Je te fais confiance. Ok, alors attendez. J'ai dit grenade. Parfait. Donc. Si, c'est bon. Ça a marché, ça a marché. А мені в тебе дозволу питати? Хочу і труся. Борзый! Пацаны, тут кандидат на жмура! Ой! Attends! О, мерда! О, putain, les chiens sont là! Eh, mais les chiens, ils attaquent pas eux, hein! Les chiens, ils attaquent grave pas eux, hein! C'est la merde, hein! C'est la méga merde! Non, c'est pas ça que je veux. Oh merde. Attends, je suis en train de me soigner là, con de chien. Ok, ça va mieux. Oh putain, il est en train de se déplacer l'autre. Dégage! C'est pas vrai! Ok, il saute pas sur les tables. The floor is dogo, c'est vraiment ça, hein! Attends, il y a un chien qui court quelque part, là, j'aime pas cette idée. Vis ici! Putain, mais attends, le nombre de bandages qu'ils m'ont fait utiliser, ces contre clébards là? Ah!
C'est bon. Tout va bien. Ok, on va looter, on va looter. On va tout prendre, on triera après. Putain, le mec, il avait juste une saucisse sur lui. Tu sers à rien, hein, Vados. Hein. Ferme. La ferme? Quelle ferme? Attends, je vais aller le chercher, l'autre. On n'a pas fini de discuter. Wow! Putain, des embuscades! Ok. J'ai un objectif là à 200 mètres. Attends, attends, attends. Il reste toujours le cagoulé là. Il doit être quelque part par là, non? Je l'ai. J'entends quelqu'un qui marche dehors. Ou peut-être sur le toit, j'en sais rien. On peut aller sur le toit? Non, mais là, je crois que tout le monde est mort. Pourquoi j'entends quelqu'un marcher? Il doit y avoir quelqu'un sur le toit, c'est pas possible. Comment on va sur le toit? Une idée. Bon, tant pis. C'est peut-être juste un bug. L'autre en bas, il fait toujours des pompes. Bah là, il m'attendait, hein, c'est lui, hein. Ouais, c'est lui. Il m'a pas prévenu que les chiens rentraient, là, alors que je lui avais demandé. Ah, j'ai une calache. C'est pas mal, ça. Ok. Il faut que je vérifie l'état des flingues aussi, parce que, putain... Bon, le fusil à canon scié, c'est rigolo, hein. Je dirais pas le contraire, mais putain, c'est... Ah, attends, y a pas d'anomalie ici? On dirait pas. Allons voir par là. Cent mètres. Ça doit être cette baraque là-bas au fond. Tu dis un fou, pas étonnant avec les radiations. Non, c'est un effet secondaire attendu, hein, on va dire. Ok, est-ce que je vais être accueilli de la même manière ici? Comment ça va se passer? Passer par cette petite véranda là. Vous avez fait des trous dans le sol. On vous rendra pas la caution, hein, je vous préviens. Quoi? Mais qui? Où? Comment quelqu'un peut me voir? Je ne vois personne. Qu'est-ce que... Mais quoi? Ah, mais vous voyez à travers les... Ok. Vous savez quoi, je suis parti. Ah ouais, je suis parti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis où là? Oh là là, mais je suis où? Oh wow!
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, lui je vais prendre. Attends, mais j'ai de la place ou pas? J'ai plus des masses de place. Tiens, regarde, tu as gagné un fusil. Attends, non. Il faut que je prenne les munitions dedans. Tac. T'as gagné un fusil à canoncier. La calache. Prends les munitions. T'as gagné une calache. Félicitations. Bah, je sais pas parce que je voulais récupérer les munitions dedans, mais on dirait qu'il n'y en a pas. Parce que lui, il peut se vendre. Hop. Je vais lui donner ça aussi, parce que j'en ai pas besoin. Ok. Je sais pas où je suis, je sais pas où je vais. Quand ça s'empile, c'est vide. Ah, ok, ouais, c'est logique. On dirait que je suis arrivé. Quoi? Mais décidément, les cleps. Oh! Oh putain, non, 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 non! Ouais, c'est ça, battez-vous entre vous. Oh, mais il y a des radiations en plus. Non ! Aïe ! Oh non, je vais crever. Ah, ah, cache-toi. Non, pas là-dedans. Non ! Bon, c'était impeccable. C'est l'Australie ou quoi? Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Bon, écoutez, il va être 19h. On va bientôt aller manger. On se retrouve tout à l'heure. De toute façon, on stream. Je pense que c'est la meilleure, c'était la meilleure séquence sur laquelle arrêter la partie, je pense. On n'aura pas mieux ce soir. Bienvenue à Limoges. On n'aura pas mieux ce soir. C'était Stalker 2.